Salut à tous les amis. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous informer que la saison 7 de Baguette UHC a commencé à être diffusée. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas sorti l'épisode 1 ni l'épisode 2 qui était prévu pour sortir à 17h, tout simplement parce que j'ai pris, avec les organisateurs, la décision de diffuser mon point de vue en une seule vidéo à la fin, car j'ai eu des soucis au niveau de mon enregistrement. A partir de l'épisode 2, j'ai des petites coupures dans les épisodes, ce qui rend le tout très très moche, car certains épisodes ne font que 14 ou 15 minutes par exemple. Et en plus de ça, ça me complique énormément la tâche si je souhaite faire des épisodes en condensé, car ma voix est enregistrée à part, et je me retrouve donc avec deux pistes qui ne font pas du tout la même durée, et je dois sans cesse resynchroniser ma voix avec la vidéo, ce qui me prend des heures et qui m'oblige donc à sortir les épisodes à la fin pour ne pas vous publier des vidéos qui seraient invisionnables. Je sortirai donc une vidéo de ma vision par respect pour les organisateurs à la fin de la publication de la saison chez tout le monde, le temps que je fasse une vidéo propre, quitte à faire de la voix off par moment. Sachez également qu'elle sortira en plus de la vidéo habituelle de samedi, je vous donnerai plus d'infos soon. Pour tous ceux qui souhaitaient voir la saison de mon point de vue, je vous encourage très fortement à aller voir la chaîne de Naughty Too qui sera dans la description vu que c'était mon mate sur cette saison. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Juste comme ça, devinez ce qui a été record hier soir. On va rester dans le thème de ce record, et je vous propose aujourd'hui un nouveau LG, puisque vous me l'avez demandé en majorité pour cette semaine. En plus, celui-ci est certainement beaucoup plus intéressant que le précédent, donc j'espère qu'il vous plaira, parce que c'est le tout dernier LG que je vous propose en highlight avant la prochaine saison. J'ai intérêt à faire de bonnes games en attendant. Donc s'il y a des gens de type très très fort pour me carry, je suis ouvert à toute proposition dans les commentaires ou autre. On peut même s'arranger sur une rémunération si vous voulez, hein. MDR. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le but de LGUHC, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière puisque j'ai tout expliqué et qu'encore une fois, tout est dans la description comme d'habitude. Évidemment, je spawn dans le meilleur des biomes, je récupère cuir, canne, pomme et je go direct miner. Sans grande surprise, j'y récupère un full fer et je m'occupe de tout faire cuire en attendant mon rôle qui arrive à 20 minutes. Si je suis encore simple villageois... J'arrête le jeu, je le dis, je déco. Ben non, mais... encore. Je suis donc totalement lié à ce rôle. C'est confirmé, je ne vois pas d'autre possibilité. Hein. Bonjour à la voyante qui m'a espionné d'ailleurs. Alors la voyante c'est quelqu'un... C'est Fatou je pense, la voyante. Ensuite, je trouve donc une cave qui m'offre alors beaucoup d'or et quelques diamants. Évidemment, j'en trouve que 4 alors que j'en demandais que 5, hein, voilà, ça on connaît bien sûr. J'arrive donc à 35 minutes de jeu, donc bientôt l'épisode 3 en temps normal, avec seulement 4 diamants, donc on va dire que ma game démarrait plutôt mal. Ah bah non en fait. Yes. C'est bon ça. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là. Ah! T'inquiète pas, un jour je t'apprendrai. Du coup au final je me mets carrément bien parce que j'ai enchant plastron et épée diams, avec sharpness 2 et protection 2 bien sûr. Le seul souci c'est que j'avais pas d'arc, mais évidemment j'ai trouvé un spawner avec 4 fils dedans. Ce jeu est vraiment beaucoup trop simple. Donc au final je sors un peu après 45 minutes avec un stuff plus que correct pour aller spawner des gens. Et moi qui pensais arriver en retard, c'est tout le contraire puisque j'étais apparemment le premier à arriver au centre. Comme vous avez pu le voir, Cetrox et Jazur sont passés au centre. Je décide alors d'attendre la fin de mon invisibilité pour les rejoindre. Et c'est alors qu'on rencontre d'autres gens. Bah, je crois qu'on doit pas aller dans le trou. Cody, je crois, il a pas peur. Par ailleurs, je demande à ce moment-là à Jazur quand tombe la nuit, car évidemment je deviens invisible à ce moment-là. Et on me répond donc... Maintenant. Okay. Ouais, pareil. Moi j'ai plus ton... Je sais pas, moi, Gil, du coup, ah, je t'ai fait confiance. Ok, Gil. Chut, 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 chut. Ah, chut. Ouais ouais ouais, personne ne m'a cramé, c'est totalement faux. Mais du coup vu qu'on m'a cramé, ça veut dire que je peux m'amuser un tout petit peu. Il y a les mains qui transpirent. Tu vas voir. Oui. Je t'en tiens. C'est toi. Quoi? Le pot, ok, ça me fait trop peur. Regarde Pollux. Ouais mais attends, il y a du bois qui vole là. Ah, il y a la petite fille là. Attends. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Et moi je peux jamais jouer une game, sérieusement. Alors les gars, pas de backstab pour prendre la poêle, ok? Ok, il y a des gens derrière. Celui-là, c'est un peu. C'est un peu.
c'est pas possible. Non, non, ça peut pas être Guilt. Non, ça peut pas du tout être moi. Mais t'es sérieux, mec. Guilt, t'es où? Mais c'est une blague. Ça marche. C'est drôle, j'ai vu ton M. Et vous, pourquoi tu me tapes comme ça dans le vide? Vous que je vous ai passé l'enchant, donc. Et pourquoi tu tapes comme ça? T'es au courant que tu me one shot là? Mais pourquoi? Bon, là, je vais t'avouer un truc. Si c'était pas la nuit, et s'il y avait pas autant de monde à côté, je pense très clairement que j'aurais tenté de le tuer, parce que pour moi, à ce moment-là, il venait juste de se cramer tout seul. Donc là, pour moi, c'est écrit Pedro égale loup-garou. Voilà. Ah! Attendez, on m'annonce un truc dans l'oreillette? Ah bah oui, je ne m'étais pas trompé du tout. Salut, Mathieu. Bonjour. What the fuck? Oh, Pollux, c'est loup! C'est Pollux. Bordel. Non, non, c'est des zombies, c'est des zombies. C'est Trox? What? What? Ah, Pedro! Quoi, Pedro? Il m'attaque, Pedro! Pollux t'a attaqué? Ouais, Pollux. Bon. C'est Pollux. Ok. Ok. Putain, je sais pas qui faire confiance, mec. C'est quoi ça? Un breaking. C'est pas qui faire confiance. What? Ça a tapé tout le monde là. J'espère qu'ils ne penseront pas que je suis loup, parce que n'empêche que. J'espère qu'ils vont pas penser que je suis loup. Enfin, j'espère qu'ils. Parce que là. Putain, c'est con parce que je suis pas loup en plus, imagine genre. Flairo il a commencé à taper. Attends, il a commencé à taper. C'est toi qui as tué ce Flairo? Non, mec, je t'assure, Flairo, Flairo il a commencé à taper un mec et du coup j'ai poussé lui à le penser. Vous aussi vous l'avez vu hein. On est d'accord. Vous l'avez vu que cette Rox l'a tapé, hein? Oui. Et oui, je suis con, oui. Je sais que je me fais embobiner comme ça, ouais. Non, mec, j'ai rien compris de ce qui s'est passé en vrai. Bah oui. C'est Rox. Bon. Ouais, je. Ah, super. Ah, toi aussi. On t'aime. J'ai arrêté. Bon bah voilà, tant pis, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Quoi? De la chance? Mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? C'est la première et la dernière fois que je me fais berner de la sorte sur LGUHC. J'annonce qu'à partir de maintenant, dès que j'aurai un doute sur quelqu'un, j'attaquerai sans hésiter. J'ai compris que dans LG, il faut prendre des risques. Ici, je n'ai clairement pas voulu en prendre, et ça s'est directement retourné contre moi. Donc maintenant, c'est terminé. Du coup, je retourne en 0-0, j'avertis mes mates de ce qu'il s'est passé, et je cherche ensuite à retrouver les autres qui m'ont trahi afin de leur tendre un petit piège. Mon but ici était de les attirer en faisant comme si j'avais trouvé personne, comme si je venais de revenir à peine en 0-0, pour au final les amener sur les autres qui attendaient à un point précis. Bon, ok, ça a pas vraiment marché. Ils nous ont vu arriver, ils ont fui, voilà, c'était drôle. Mais au moins, il y avait l'idée, quoi. Après une bonne course poursuite, ils se sont enfin décidés à nous combattre, en sachant que c'était la nuit, donc ils avaient l'avantage de la force. Et je vous laisse donc apprécier ce grand combat. Salut. Shot, shot babouine. Babouine, regarde celle-là. Ah, le pyromane, il est là-bas. Ou alors l'ancien, c'est Coatox. Y a pas pyro. Ah bah, c'est l'ancien. Attends, Jazir, derrière toi. Non, non. Je suis pas ancien, mec. J'espère que je t'ai pas tapé. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est pas toi qui m'as tapé. Moi, je reste à l'arc, perso. J'essaie de faire une wall, mais... Shot. La nuit, c'est horrible. Derrière toi, Kotox. Cher. Tu vois que je tire sur le show. Shot. Ok, oula. J'ai pris cher, J'ai pris cher, là. Heureusement que j'ai masse de gap. Par contre, moi, j'ai plus de gap, les gars. Je babouine. Putain. Chevax, tu lag, fais gaffe. Sérieux? Un peu. Y'a ces trois juste là, les mecs. C'est Trox Thunderpearl derrière, les mecs. Derrière, les gars. Shot, c'est Trox. Vas-y, tout sur ces Trox, Il perd sa force. Pas l'épée. Merde, c'est le gars là. Non, un arc. Les gars. Derrière vous, y'a Babouine. Les gars, derrière vous. Il est low. C'est Trox, vas-y, c'est bon. Ah mince. Yo! Attends, il est fou! RIP! GG! Il est fou! C'est bon, ah merde, putain, t'es sérieux, Chevax, tu peux me passer? Y'a lapin! J'ai besoin de heal! Aïe! Lapin! Ok, j'ai récupéré un plaçon! Lapin! C'est le dernier! Tu m'as trahi! C'est à mon tour de me venger! Aïe, derrière! Chevax!
Chevax loup. Je me tue Grenny. Ah merde. Chevax loup, j'assure. Je sais, mais j'ai 3 coeurs. J'ai pas d'FPS, je peux pas jouer, c'est pas possible. J'ai 3 coeurs. Ouais, mais j'ai 3 coeurs en fait, pour ça que j'ai. Satio, j'espère que t'as de la vie. Ouais, c'est bon, je suis full. Shit. Oh, FPS de merde. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Survie, survie. Chevax, viens. Mais t'arrête, j'ai pas d'FPS. Satio, t'as des flèches ou quoi? Tiens. File. Et si t'as une cape, je veux bien, parce que. Non, j'ai plus. Il me reste 3 coeurs. Merci. Il faut pas le lâcher là, il faut pas le lâcher. Attends, je me protège. C'est bon. Vite, on le course. Ah merde, je suis le dernier, je crois. Non. Il reste l'enfant sauvage. Pour que Jazur soit mort, c'est que l'enfant sauvage est du côté des loups. Bah non, c'était lui l'enfant sauvage, t'es con. Ah bah oui, putain. Bon. Attends, du coup, il reste qui là? Bah il reste toi. Bah tu veux pas venir comme ça on en finit? Ouais, vas-y. T'as combien de vie là? Plus de vie. Ah, salut. Touché. Pas à faire. J'essaie de backstab Godi avec mes FPS, mais genre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Touché. Shot. Bien. Touché. GG les gars. Shot. Ah, oh, il me reste. Mec, il me reste 2 coeurs. Oh, GG. Attendez. La game vient donc de se finir à 95 minutes de jeu. Donc, aux 3 quarts de l'épisode 5. Je pense qu'on n'a jamais fait de LG aussi rapide, et aussi close d'ailleurs. Donc voilà, c'était le tout dernier loup-garou que je vous proposais avant la prochaine saison qui a donc été enregistré très récemment. Je n'ai pas encore de date à vous donner, mais je vous avertirai sur Twitter dès que ça sera décidé. En attendant que ça soit posté, je vais essayer de faire quelques bonnes games de mon côté pour vous proposer des highlights comme j'en ai l'habitude, car je sais que tout le monde n'est pas là forcément pour voir du loup-garou, même si ça plaît quand même beaucoup, et je vous remercie énormément pour ça. Les prochaines privées de games de loup-garou seront certainement faites en stream de mon côté, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti de quand je ferai des streams, car il n'y aura pas de grosses annonces, à part sur Twitter bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si vous avez des idées de rôle ou d'amélioration à me donner, dites-moi tout dans les coms ou en MP Twitter, vu qu'ils sont ouvert et que vous pouvez me contacter très facilement là-bas. Et sur ce, je vous souhaite donc une bonne semaine. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas du tout écrit sur mon texte. Regardez, sur mon texte, il y a écrit « Je vous dis à la prochaine ». Et je ne sais pas lire. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao !